Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer mes nouveaux pet shops. Voilà, ils sont vraiment trop jolis. Et donc, bah, c'est parti. Alors, on va commencer par le premier. Donc, il y a ce persan. Il est trop joli. Il a de super belles couleurs. Du gris, un espèce de violet, gris bleu. En gros, plein de couleurs en même temps. Et le pire, c'est que je les ai achetés à un vide-grenier et ils ne sont même pas abîmés. Même pas un tout petit poil. On dirait qu'ils ont été achetés puis qu'ils ont directement été revendus. Voilà. Donc voilà, c'est fini bas pour le premier pet shop. Voilà, il est super joli. Elle s'appelle Nina. Ensuite, un doublon que je vais sûrement... Celui-là, je vais l'échanger avec ma cousine. Donc c'est un petit pingouin. Voilà, parfait. Ils sont super beaux. Donc du coup, celui-là, je vais l'échanger à ma cousine, comme j'ai dit. Et moi, bah, je vais en garder. Je sais pas contre quoi elle va m'échanger ou si elle va bien vouloir. Puis au pire, si elle veut pas, eh ben, je l'échangerai à ma meilleure copine, qui elle voudra bien. Voilà. Donc je l'ai appelé Chocolat. Voilà. Ensuite, prochain pet shop. Un petit poussin, très mignon. J'en ai déjà un poussin, sauf que c'est un garçon. Et ça, c'est une fille. J'adore ses yeux bleu turquoise. C'est super beau. J'adore vraiment ce pet shop. Il est super joli. Alors, ensuite, on passe à un autre doublon. C'est un ours jaune beige qui est vraiment trop joli. Que j'ai en deux fois, bien sûr. Et il a aussi des yeux un peu turquoise. Donc c'est vraiment super joli. Donc cette fois, celui-là, je vais l'échanger à ma meilleure copine. Enfin, moi, pour moi, c'est ma meilleure copine. Après, peut-être pas pour elle. Mais voilà, je vais l'échanger. Il est trop beau. Je ne vais pas encore donner de nom. Je pense que je vais l'appeler Neige. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez des idées de noms pour ces pet shops. Ensuite, un que j'adore vraiment, c'est celui-là, un petit chiot trop mimi. J'adore vraiment parce qu'il est trop mimi. Et je rêvais d'en avoir un comme ça. Celui-là, je l'ai appelé Caramel, il est trop mimi. Alors, ensuite, j'ai eu un pigeon. Donc moi, je dis que c'est un pigeon voyageur. Parce que d'habitude, je lui mets... Alors, le petit chapeau comme ça, sur sa tête. Je mets aussi le petit sac que Caramel avait. Voilà, et ça lui va trop bien. Sauf que là, c'est trop dur à mettre, donc je vais pas les mettre. Donc, je vais mettre ses accessoires de côté. Donc voilà, un super beau pigeon. Voilà, très joli. Ensuite, il y a un pet shop trop joli. Un hérisson. Oui, vous avez bien vu un hérisson. Là, il est trop joli. Donc, j'adore celui-là. Trop mignon avec ses yeux verts. J'avais toujours voulu avoir un hérisson. Et bah, ça y est, j'en ai un. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, un petit hamster. Lui aussi, je l'ai déjà comme forme. Mais pas de la même couleur du tout. Donc voilà, très très joli. Il est un petit peu abîmé sur le dos, mais ça c'est rien. Avec ses beaux yeux bleus, j'adore. Ensuite, j'en ai un autre qui lui ressemble beaucoup, au niveau des couleurs. Donc moi, franchement, je dirais que c'est sa fille. Avec des yeux verts. Comme le pet shop de The Moon, mais avec une autre couleur. Je l'ai d'ailleurs, le pet shop de The Moon. Mais voilà. Trop mini. Et on va finir avec le dernier pet shop. Qui est ce petit chat. Trop mini. Voilà, j'adore. Donc j'adore ses yeux surtout parce qu'ils sont bleu clair avec des vagues on dirait. Donc ils sont trop jolis. Donc voilà. Donc pour le total... J'ai eu pour 5 euros de pet shop, donc c'est vraiment pas beaucoup. J'ai payé 5 euros au lieu de 6.
Voilà, donc j'ai une petite réduction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à faire péter les likes. Salut !